Naples Fantastique présente, troisième leçon d'italien. Comment prononcer les noms des principaux monuments du centre historique de Naples? Lors de votre visite à Naples, si vous avez des difficultés pour trouver un monument, apprenez d'abord comment cela se prononce. Écoutez, répétez. La Piazza Plebiscito. La Basilica di San Francesco di Paola. Il Palazzo Reale. La Basilica di Santa Maria degli Angeli a Pizzo Falcone. Il Gran Caffè Gambrinus e il faut voir absolument à l'intérieur la Sala da Tè. La Fontana del Carciofo. La chiesa San Ferdinando. Il teatro San Carlo. La galleria Umberto. La chiesa di Santa Francesca delle Cinque Piaghe. I quartieri spagnoli. La via Toledo, appelée aussi la via Roma. Ou simplement via Roma. La piazza Municipio e il Municipio. Il maschio Angioino, appelé aussi il Castelnuovo. La chiesa di Santa Maria la Nova. Et la grande artère que vous apercevez, c'est Spacca Napoli. La chiesa del Gesù Nuovo. À gauche, la chiesa del Gesù Nuovo. À droite, la chiesa di Santa Chiara. La chiesa di Santa Chiara. Il chiostro di Santa Chiara. La via San Biagio dei Librai. La Cappella San Severo. La Chiesa di San Domenico Maggiore. L'intérieur de San Domenico Maggiore.
La statua del Nilo. La chiesa dei Santi Severino e Sossio. La chiesa dei Santi Filippo e Giacomo. La via San Gregorio Armeno. Il s'agit de la rue des Crèches. À nouveau, via San Gregorio Armeno. I presepi. I pastori. La chiesa di San Gregorio Armeno. Il chiostro di San Gregorio Armeno. La basilica di San Lorenzo Maggiore. Gli scavi della basilica. Toujours San Lorenzo Maggiore. Il Duomo. C'est ici qu'a lieu la liquéfaction du sang de San Gennaro. San Gennaro, le patron de Naples. Et voici l'intérieur du Duomo, il Duomo. La basilica di San Paolo Maggiore. Sur le flanc gauche de la basilica di San Paolo Maggiore se trouve une petite ruelle qui mène à Napoli Soterranea. La via Tribunali. Toujours très animé. Santa Maria del Purgatorio ad Arco. La chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietra Santa. Où a eu lieu l'exposition I tesori nascosti, les trésors cachés. La chiesa di San Pietro a Maiella. Il conservatorio. Santa Maria della Redenzione dei Cattivi. Il Teatro Bellini. La Piazza Dante. Il museo archeologico. La funicolare. La metropolitana.
Naples Fantastique vous remercie et vous souhaite une merveilleuse promenade dans le centre historique de Naples.